Amis, bienvenue sur nos ondes et plus particulièrement dans notre émission, dans votre émission Vivre sa foi. Alors je dis votre car n'étant peut-être pas sur notre plateau, vous pouvez vous reconnaître à travers les témoignages de plusieurs. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir sur notre plateau notre amie Vania. Bonjour à toi Jenny et à vous aussi. Voilà, alors nous allons en savoir un peu plus sur Vania juste après ce portrait en images. Et bonjour à tous, je m'appelle Vania. Je suis une jeune comme vous, comme nous tous. Et je suis active. J'aime beaucoup de choses, être avec un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et j'aime le sport, surtout le sport, le basket et les danses traditionnelles. Je voulais témoigner sur le fait que par la prière, moi, je parle pour moi et pour encourager d'autres personnes. Par la prière, on reçoit des grâces. Surtout quand on est en plein impasse, on a plein d'épreuves, la prière elle y est beaucoup. Et ensuite la volonté aussi. Hein. Donc voilà, c'est ce qui m'arrive en ce moment et ça va un peu mieux. Voilà, je reçois un peu plus de grâce. J'espère que pour d'autres aussi. Alors, de retour sur notre plateau avec notre amie Vania. Vania, dis-moi, la question en fait qui est récurrente dans cette émission, à chaque émission d'ailleurs, comment as-tu rencontré le Christ? Alors, bonne question. Avant de le rencontrer, je ne l'ai pas rencontré personnellement comme on se voit actuellement, toi et moi. Mais avant ça, j'ai connu des épreuves assez difficiles, un peu plus jeune, donc comme la plupart des jeunes aujourd'hui. On sombre dans l'alcool, dans les tentations de ce monde, fornication, drogue, etc. Et suite à ça, tu te rends compte que c'est pas forcément la bonne voie, la bonne chose, la bonne solution à prendre pour ton avenir, pour trouver le bonheur pour plus tard. Alors, grâce à plusieurs personnes, à des rencontres de bonnes personnes qui prêchent, qui t'en parlent, des collègues qui... Est-ce que tu aurais justement des exemples de personnes qui t'ont aidé à te relever? Oui, bien sûr. J'avais une amie qui était témoin de Jéhovah, que je salue aujourd'hui, Marie-Louise, qui elle me suivait beaucoup, m'aidait beaucoup. Ma belle-mère aussi, une personne très généreuse, douce, très gentille. Vraiment l'exemple de femme qu'il faut. Et j'admirais tellement ces personnes que je me disais, j'aimerais bien faire comme eux. Parce que je me sentais bien quand je les voyais. Avec elles. Voilà, tout à fait. Oui. Je me sentais très bien. Voilà. Alors tu me disais justement avant que nous venions sur le plateau, oui, que tu apprécies également beaucoup les chants. Ah oui, beaucoup. Alors est-ce qu'il y a une petite expérience que tu aimerais partager avec nous? Ah oui, tout à fait.
Je prends l'exemple de quand je vais à l'église avec mon conjoint, à son église à lui. Souvent, il y a des chants. Et moi, ça me touche beaucoup parce que personnellement, je me sens concernée, je me sens visée quand j'entends tel ou tel pécheur, tu as des mots comme ça, je me sens concernée, moi. D'accord. Est-ce que à travers ces chants, tu trouves également des réponses à aux nombreuses questions que tu te posais auparavant ou non ou des... mais plutôt un sentiment de bien-être. De bien-être, oui. Oui, surtout que, après les dures épreuves que l'on vit, enfin que moi j'ai vécu par exemple, hein, quand tu vois que le monde commence à être tout gris, tout noir autour de toi, tu te dis, il n'y a peut-être pas de l'espoir, mais en entendant ces chants-là, c'est là que tu te dis, non, il y a de l'espoir quelque part. Il y a de l'amour et tout, il faut, c'est bon, allez, vas-y. Il y a tout ça, tout ce courage, ce bien-être. Et ça t'a poussé à aller vers le Seigneur. Ouais, c'est une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. D'accord. Alors j'aimerais, avant de continuer, te poser une autre question. Est-ce que tu crois au retour du Christ? Oui, et je ne sais pas quand. Quand est-ce qu'il revient? Oui, je ne sais pas à quel moment il va revenir. D'accord. Parce que je te pose cette question, parce que justement, tout est rari, notre envoyé spécial, on l'appellera ainsi, est allé justement poser cette même question à plusieurs jeunes dans la ville. Est-ce que vous pensez ou vous croyez que le Christ revient? Alors, tout est rari, c'est à toi. Est-ce que tu crois au retour de Jésus? Alors, déjà, je ne sais même pas aussi. Oui, je crois que c'est un retour. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Déjà, la Bible et avec les enseignements qu'on reçoit à l'église, c'est ce qui me dit qu'il va revenir un jour. Oui, je crois au retour du Christ. Oui, carrément, il va revenir. Ah, mais bien sûr, si on devait ne croire en rien du tout, on est un peu mal parti pour demain. Ça dépend. Il y a beaucoup de rumeurs qui se passent là en ce moment que Jésus va revenir. Ben, je crois pas vraiment qu'il va revenir. Je sais pas, la croyance. Ben, déjà, en ce moment, il y a beaucoup plus de séismes par rapport à il y a 10 ans. Donc, il y a beaucoup plus de cataclysmes maintenant par rapport à avant. Donc, on peut déjà croire que les signes sont déjà là par rapport au retour du Christ. Jésus va revenir. Parce que c'est important de croire en ça. Alors, une fois de plus, de retour sur notre plateau, avec notre invitée Vania. Alors, Vania... Tu nous as parlé justement auparavant que tu as traversé beaucoup d'épreuves et que justement tu t'es relevée petit à petit grâce à certaines personnes. Je pourrais rajouter aussi quelque chose. Vas-y. Par rapport à ça. Il y a eu ces personnes, mais il y a aussi avant tout un travail sur soi-même. D'accord. C'est-à-dire le fait de pardonner à soi-même tout le mal qu'on a pu faire auparavant. Parce qu'avant ces épreuves, c'est quelque part... c'est que quelque part on a cherché aussi à... On a fait des mauvais choix. Voilà, on a cherché à avoir tout ça. D'accord. Donc quelque part, c'est un travail sur soi aussi. C'est reconnaître, pardonner, et regretter tout ça et ne plus recommencer. D'accord. Voilà. Et donc maintenant tu t'en es sortie, est-ce que tu peux parler de ta relation avec avec Dieu aujourd'hui? On est plus soulagée. Enfin, moi, je me sens plus soulagée. Je me sens plus intéressée à lui. Je vais plus vers lui le dimanche ou même tous les jours. Hein, ne serait-ce qu'un sourire, un bonjour, un geste, tu vois, à quelconque personne.
c'est dans mes attitudes maintenant, c'est donner l'exemple, agir en bien, tout ça. C'est pas que le dimanche à la messe ou autre part dans une église, non, c'est tout le temps. Donc tu es en relation constante avec Dieu? J'essaye. J'y vais petit à petit, hein. Parce que auparavant, c'était pas le cas, hein. D'accord. Oh oui. Alors, je t'ai parlé également de, avant que nous venions sur ce plateau, d'études de la parole de Dieu. Oui. Donc, tu passes plus de temps à lire sa parole? Oui. Bon, je l'avoue que je ne le fais pas tous les jours, mais ça m'arrive plus souvent qu'avant. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des versets ou un verset en particulier que tu as retenu et que tu apprécies beaucoup? Est-ce que tu peux partager ça avec nous? Oui, tout à fait, oui. Je prends l'exemple de Matthieu 19, 14. « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est un très beau verset. Oui, tout à fait. Pourquoi ce verset-là? Alors, je vais vous dire. Te dire pourquoi voilà, j'ai choisi ce verset, en fait, c'est parce que je trouve que... Ben, un enfant, c'est innocent, comme tu disais. C'est innocent, c'est pardonnable et tout. Hein. Et nous, en tant qu'adultes, ben, on est là. On doit prendre exemple sur eux. Voilà, tout à fait. On peut le faire, mais c'est dur. C'est vraiment dur. Et donc, par rapport à ce que tu as vécu, est-ce que tu essayes de mettre en pratique justement ce verset? Oui, j'essaye. Ouais. C'est un peu dur, mais ça y va, ça va, petit à petit. Ça a l'air impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Tout à fait. Bah oui. Mm. Quand on l'adore, il faut le donner sans hésiter. Moi, j'encourage tous les jeunes, tout le monde, à se pencher vers eux. Même si on a vécu, on voit toute la vie en noir. On peut. Il est toujours là pour nous. Toujours. Et c'est également un message que tu aimerais laisser à toute cette jeunesse qui nous regarde? Oui. Ne baissez pas les bras, allez-y vers lui. Pas vers la drogue, c'est éphémère la drogue. Vers Dieu, c'est éternel. C'est à 100% bonheur éternel. Je le sens parce que je le crois. Eh bien, Vania, je te remercie beaucoup pour ce beau témoignage et merci également d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et je t'encourage pour la suite des événements. Quant à nous, chers amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité.